Ariel Henry, premier ministre démissionnaire. Mais nous-mêmes, nous gardons le langage qui est exact là, qui dit que, eh ben, le 11 mars, dans Asoué, on a enregistrement fait qui dit côté que président, côté premier ministre Ariel Henry dit, gouvernement l'a dirigé, d'accord pour le l'école, pour le bail place à un conseil présidentiel de transition. Et le ça, c'est le ça que, eh ben, et démission effective. Donc, tout ça, c'est en pile compréhension qui gagne de situation. Mais dans le moment où on a parlé là, qu'on y a, c'est dans l'expectative. Je participe dans une émission là, et côté, je pose en pile question sur l'affaire ça. Eh bien, dans le moment où on a parlé là, c'est l'expectative. Expectative pour la communauté internationale là, pour CARICOM, pour membre conseil présidentiel de transition, parce que et normalement, il y a deux documents. Deux documents, c'est accord politique pour une transition pacifique et ordonnée. Et puis l'autre, là, c'est projet du décret sous création et fonctionnement conseil présidentiel de transition. Normalement, documents sortis dans le conseil, là, le joint CARICOM. CARICOM remet les bah, conseil des ministres là. Et conseil des ministres, qu'on y a, il y a des réflexions qu'il a fait sur lui. Il y a des réserves légales et constitutionnelles qu'il a fait sur lui, qui fait que jusqu'à présent, pour qu'on gagne, il y a une publication qui fait, qui était faite dans arrêté dans journal officiel Le Moniteur. Donc c'est ça que il y a tant qu'on y a. Donc en pile question continue à poser, étant comme dit nous hier et en pile fois déjà, et pendant que Conseil présidentiel de transition y a fait arrangement pour être capable d'installer dans le palais national éventuellement, eh bien il y a l'autre mouvement tout, il y a un mouvement, il y a l'autre courant qui a demandé pour y aller dans la Cour de cassation. Pour aller chercher un juge qui régulièrement nommé. Et il y a même pétition, même qui a fait, il y a un mouvement de jeunes dans le Congrès Wanamet là même, qui mettait dehors en pile déclaration pour dire que MFA a la Cour de cassation. Donc, jusqu'à présent, là, son bagage contingent est cacophonique. Mais nous connaissons que eh bien, ça qui parle le plus, c'est le Conseil présidentiel de transition, parce que, surtout que le gain appui communauté internationale, là, notamment CARICOM. Donc, c'est une situation que nous avons suivi pour de très près. Et nous, ouais, tout, il y a un document, ça qui sortit, nous avons parlé de accord politique pour une transition pacifique et ordonnée. Il y a pile causé que l'aborder la donne. Et monsieur spécialiste, lui-même, eh bien, il y a des réserves sur ça parce que il y a eu son super conseil présidentiel parce que tellement il a gagné et causé que le problème tellement gagné et prérogative que le bail est. Donc, c'est une situation que n'a pas su pour. Donc, en attendant, eh ben, gang armé continue à abîmer la terre parce que eux-mêmes, ils voulaient tout prendre pouvoir. Ils voulaient prendre pouvoir, Goku qui voulait aller en cassation et puis le conseil présidentiel de transition. Et donc, pendant ce temps, il y a des gens qui sont blessés, des gens qui sont écrasés, eh ben, toujours, question sécurité a toujours et dans l'actualité dans le pays d'Haïti. C'est comme ça, Réseau national défense droit, RNDDH, eh bien, les répertoriés ont paquet de violence avec chaos. Dans le pays, il dit que ça, pour que Jean Mouivet, de 1990 à 2024, c'est une transition politique qui sanglante pour le peuple haïtien, qui était gagné en tête, Monsieur Ariel Henry, avec coalition politique qui sortit dans l'accord 11 septembre 2021 et 21 septembre 2022, c'est RNDDH. Et qui a parlé de situation, il parlait tout de situation droit de l'homme, de mois de janvier à nos jours. Donc, il y a un rapport que le fait sortir. Et puis, tu as plus de détails sur le rapport ça, dans rendez-vous info. Et tout, à midi 30, puis tu as là, tout, Rodriguez qui a gagné pour le causer ça. Donc, situation dans le pays d'Haïti, c'est consalier, et toujours gain cacophonie, toujours gain incompréhension. Ou pas même comprendre ça qui a passé dans le pays. Pendant ce temps, on coupure qui gagne entre plusieurs villes pays. Gagne voie de communication. Yo. Et sous gagne marchandises en province ou pas capotel dans Port-au-Prince. Parce que Nations Unies dit que gang contrôle 80%, mais qu'on a dit que rien n'est monté, il a même 90%. Et c'est ça tout que dans le programme sorti là, il demande tout qui côté que y a pral installer conseil présidentielle de transition. Ça me répond comme journaliste, je pensais que c'est dans le palais national là, ou bien dans le placement palais national là, mais tout ça, c'est des points d'interrogation qui gagnent.
On allait rapidement dans l'international là. Eh bien, premièrement dans l'international là, c'est toujours Israël Hamas là, avec une recherche qu'il a fait depuis Caire dans le pays Égypte pour essayer de rejoindre un cessez-le-feu entre belligérants. En attendant, gagner et chef suprême Hamas là, Ismaël Haniyeh, qui perdu trois petits garçons. Trois dans petits garçons, parce qu'il y a l'autre encore. Et puis, avec quatre petites petites. C'est un coup dur pour lui, mais monsieur dit, et bon, selon croyance, il dit, bon Dieu, merci d'est-ce que petite Léo passé comme martyr. Donc, c'est un petit peu, et c'est comme ça à penser, c'est croyance. Mais pendant ce temps, et toujours gagné en pile et suspense qu'a fait sous préparatif que l'armée israélienne a fait pour mener une opération dans Rafah. Parce que d'après le Premier ministre, là, Benjamin Netanyahu, il dit que c'est la dernière étape dans la lutte pour éradiquer, déchouquer totalement sur la surface de la terre et ben, mouvement que les mouvements terroristes et Hamas. Là. Donc, et c'est une situation qui m'a dit que nous accordions attention très soutenue et bien Gampil. Gampil et organisation internationale gagné pays d'un coup les États-Unis qui dit que y a opération à Rafah, c'est un mauvais bagage, c'est un erreur de la part de Netanyahu et président Joe Biden même dit que le parrain Jean Netanyahu a mené et guerre là dans Gaza et font dit tout que et président Joe Biden gagne monde qui reproche par exemple monde qui reproche qui dit que il bail trop soutien à Israël. Mais pendant ce temps tout, et spécialiste dit que eh ben Joe Biden a essayé ouais s'il t'a anti-Jean et ouais si le monde t'a désolidarisé avec Benjamin Netanyahu, il t'a isolé sous l'échiquier. Mais faut dire tout que Benjamin Netanyahu son qui a un problème la Kali, il a un problème tout la Kali, comme il dit un président en guerre ou bien un premier ministre en guerre dans ce cas est toujours populaire. Donc c'est ça qui fait que M. Kimbe toujours, M. Gon cabinet de guerre, et mais M. a fait face à la question corruption. Donc tout ça mélangé fait un et un cocktail qui est très spécial dans la région Moyen-Orient. Et puis l'autre gros point dans l'actualité internationale, c'est Mexique Jodia qui présentait une plainte contre Équateur dans la Cour internationale justice. Pour qui ça, c'est après que le 5 avril qui s'est passé là, il y a un policier qui était débarqué dans l'ambassade Mexique, dans Quito, capitale pays Équateur, pour te venir prendre, et vice-président équatorien, Roy Glass, et qui lui-même, qui l'a démêlé avec la justice et autres. Mexique m'a demandé pour suspendre Équateur dans l'ONU jusqu'à ce que lui présente excuse, parce que pour eux, son gros violation, et Mexique dit que ça le voulait, c'est que non seulement présenter excuse, mais pour ça, pas jamais refait encore, parce que son violation convention de Vienne sous relation diplomatique. Donc Manuel López Obrador, lui-même qui est président du pays Mexique, lui fait des déclarations non seulement demandées pour excuses là, et bon, par voix ministre Affaires étrangères, il n'a parlé de Alicia Bárcena, qui lui-même c'est ministre Affaires étrangères pays Mexique, lui demandé pour y retirer Équateur dans Nations Unies ou bien jusqu'à ce que présenter excuse. López Obrador, Andrés López Obrador, président Mexique, t'es parlé hier, côté que l'été même voyé tout sous les États-Unis avec Canada, qui y a même li dit que y a prend des positions contingentes, qui ont des gens vagues, qui ont des gens ambiguës, comme s'il pas clair. Mais cependant, il y a Jack Sullivan, qui s'est conseillé la Maison-Blanche, lui-même lui dit que Washington condamné bagay qui fait dans l'ambassade Mexique là nan Quito parce que pour yo c'est une violation convention de Vienne sur relation diplomatique là. Gen pile l'autre gouvernement même de gauche qui pas d'accord avec qui pas d'accord avec ça qui fait dans l'ambassade là, notamment le Brésil de Lula, Venezuela de Nicolas Maduro, ni Chili tout Argentine, mais pas oublier tout et Argentine avec Milei, États-Unis, Union européenne, même et Espagne tout, yo tout dit que yo pas d'accord avec ça qui fait là. Donc, dossier qu'on y a dans les Nations Unies. Et Nations Unies a bien pour l'Ouest, ça l'a fait avec plainte que Mexique déposait à lui devant Cour internationale justice à ne pas confondre avec Cour pénale internationale qui lui-même l'inan l'arrêt.
li nan la haine dans pays la Hollande, c'est cour pénale internationale, alors que cour internationale justice là lui-même li trouvé aux Nations Unies, on connaît que Fernando estimé a d'accord comme spécialiste dans question diplomatie, il a d'accord avec moi. Et l'autre point encore, nous t'a capable de signaler et à pas avant aller dans la mort, avant aller dans la mort O.J. Simpson, et ben le président américain Joe Biden lui-même qui a pas accueilli deux gros leaders. Et depuis hier, il était rencontré dans la Maison Blanche avec le ministre japonais Fumio Kishida. Par ailleurs, Fumio Kishida lui-même l'a prend la parole aujourd'hui devant les deux dans le Congrès. C'est un gros honneur. Et donc, il a bien un dîner d'État dans le ça. Et président Joe Biden a recevoir tout président philippinien Ferdinand Marcos Jr. Donc, de M. Sayo, il a vu régler un bagage sur qui a un rapport avec Indo-Pacifique. Parce que, dans le moment où on a parlé là, il y a la Chine qui a un chirépit, surtout avec les Philippines, Mani. Donc, États-Unis, comme Mounsa, c'est allié, donc la PCE, ou qui a envoyé un message clair, et by la Chine. Et la Chine lui-même, et qui lui-même, il fait pour une décision là, il fait pour une décision là contre deux compagnies américaines, parce que compagnie américaine, ça y a fait, y a porté support yo by Taiwan, là, y a vendu nos âmes, donc, n'a retourné sous ça. Et puis, les États-Unis a accueilli avec beaucoup de peine, l'homme, footballeur noir, O.J. Simpson. Monsieur Mouri, il était 76 ans, il tape goumé avec un cancer prostate. C'est Family qui publie annonce là sur X, ou bien X, et ancien Twitter, côté il dit, m'appelle pour nous, ma traduction, papa nous, Oriental James Simpson, mourit 10 avril après une bataille contre maladie cancer. Famille fait connaître ça dans tweet. Il dit, dans le moment, il mourit à l'été gagné aux alentours, petit, famille. Et puis, famille a demandé pour yo respecter vie privée pendant que y a fait face ak décès ça. N'a pas rappelé que O.J. Simpson t'a remporté en pile renommée tout partout dans le monde et il termine vine célèbre à cause et procès la justice dans la ville de Los Angeles était mené contre lui après été accusé lorsque il a assassiné madame en parlant de Nicole Brown Simpson. Dans l'époque là il était divorcé et donc il était acquitté monsieur en 1995, mais en 1998, M. Tapral Nombagay et Hall, tu as pas laissé prendre des bagailles qui étaient pour lui d'ailleurs, mais qui ne viennent pas pour lui encore, bagailles qui gagnent pour le bagaille de sport. Et puis, bon, finalement, M. T'a eu un problème encore avec la justice. Dans le mois de février 2024, le docteur t'a diagnostiqué M. avec un cancer prostate. Donc, O.J. Simpson, c'est un grand nom dans la question sport ici aux États-Unis, mais et tout gros célébrité monsieur c'est surtout à cause jugement l'elté il était accusé d'est-ce que tué madame ni mais la justice t'a acquitté monsieur t'a blanchi monsieur d'est-ce que yeah. Et il était acquitté monsieur parce que il croit que monsieur pas coupable dans la mort et madame ni. Et puis on parlait de sport Abel Aguilar voulait dire et on parlait de sport et eh bien, pour moun qui aime Fanatic Bull, semaine, ça, c'était un bouillon boule qui t'a gagné dans quart de finale Ligue Champion. D'abord, gagné Atlético Madrid qui calé Borussia Dortmund 2-1. Défaite Paris Saint-Germain 3-2. Hier, ça, c'était hier. Donc, elle a mêlé pour Paris Saint-Germain. Est-ce qu'elle est capable de faire la différence dans le match que toi, n'a pas suivi? Avant, il y a un Real Madrid qui fait match nul 3-3 avec Manchester City. Eh bien, et puis, dans le stade Santiago Bernabéu, et bon, quand il y a goal à l'extérieur, va compter même gens encore. Donc, mais, Real Madrid pourra le gagner pour faire pile effort dans le match retour. Et l'on pourra jouer avec Manchester City. Dans Manchester, bagala pas facile pour Vinicius, mais n'a pas su pour. Donc, c'est ça que t'es gagné. Avant hier là, c'était Real Madrid qui fait match 3-3 avec Manchester City. Même j'entends que match 2-2 entre Arsenal avec Bayern de Munich. Donc, retour a fait 16 et 17. Donc, le 16 a gagné Barça. Contre Paris Saint-Germain, match là après le jouer
et en déplacement, Borussia a joué contre Atlético Madrid et puis Bayern a joué contre Arsenal et Manchester a joué contre et Manchester a joué Manchester City a joué contre Real Madrid. Donc c'est en gros ça nous te gagne pour Jodia. Merci pour attention, merci pour fidélité, merci d'être que ou toujours branché sous VOA Créole. Moi c'est Jacques Lemelizer, pas oublier son détente. Et nous remercions tout le monde qui était branché, qui est dans le moment ça. Et nous souhaitons que nous branchions encore tout à l'heure avec Jean-Aubert Philippe. Nous venons plus encore. Nous-mêmes qui l'a connu, eh bien, invitez en mieux pour être capable de gagner Jean-Aubert Philippe. Nous connaissons Jean-Aubert Philippe, c'est le fidèle. C'est que les cas qui ont construit, n'est pas semblé que l'autorité était vraiment pensé que c'était une menace, c'était pour un aéroport international. Donc, il était que les bâtiments, Jean Ouvlé, donc pas de gain, on disposition qui était prêt. Et qu'on y a, il y a le point à disposition. Au lieu que pour empêcher Kayobati, il était quitté Kayobati, qu'on est au point de disposition, puisque compagnie assurance sur mandé, puis elle a casé Kayo qu'on y a. Et c'est comme ça, opération casé Kayo là, il commence, c'est vrai. Et il commence, gain, jusqu'à présent, et on vingtaine Kayo qui était déjà casé déjà. Et compagnie assurance santé dit qu'il faut que l'État haïtien dédommage, monte ça, gain Kayo. Donc, non, dédommagement, qu'on y a problème, qu'on l'autre problème administratif qui posait là-dedans, qu'on y a là. Qui est-ce monde qui propriétaire dans zone ça, à côté de Kayo Bazé? Qui est-ce monde qui a dit que Kayo ça, c'est pour moi? Parce que si l'État dédommage propriétaire, donc, faut propriétaire tout, yo, même tout, yo vient avec des documents qui pour montrer que Kayo ça, c'est pour moi le terrain, m'gué papier qui dit que c'est pour moi Kayo ça, m'gué papier qui dit terrain ça, c'est pour moi, si c'est pas ton terrain que m'démonter sous lui, et à Gouvonnet. Et bien, c'est ça pour, donc, on paraît de monde qui était cool, vital, dans Méritabala. Méritabala, c'est lui qui est juridiction à reposer sous le lien. Donc, Méritabala dit, moun yo kounya alman de kob yo, moun yo alman de kob dédommagement. Et la semaine, l'État déboussé un bon coup de kob qui est disponible pour dédommager moun yo. Mais kounya pour l'administration, il a été posé, kounya pour tout le monde pour tes papiers, pour montrer que ça a été pour moi, car on crase là, ou bien car on crase là, c'est qu'il n'y a pas de lien. Pour les décapés. L'État a un problème tout. L'État va avoir des dommages au monde. Pour un cas qui pas pour lui, terrain pas pour lui. Donc, faut m'en poser. Donc, c'est de ça que Mathias de Vimé t'a parlé de nous. Les gens t'a parlé dans le reportage, t'a raconté que l'État vient casser Kayo, t'a dit, vient chercher l'argent. Mais il y a des coups, l'État fait une exigence, qu'on a vu la preuve. Ça dépasse exactement tout. Après, très bon de terre. Si ça fait que nous, ouais, dans le centre-ville là, projet qui te gagne pour te reconstruire centre-ville là, par exemple, non, c'est des zones, mais projet ça, li pas marché, li poko marché, aussi la marché, li poko marché, parce que, qu'on paquet moun qui habite dans zone côté de reconstruction, ville là, toute zone qui boit par national là, descendit, s'en va la ville, eh bien, gagne pile moun qui paye un titre de propriété, même là, habite dans zone, même là, habite dans zone là, et moun en réclame, moun en gagne moun qui levé, et là, levé, par exemple, qu'on aucun de l'autre côté, et puis, les trouvé, je veux dire, non, position côté, il pas qu'à démontrer que pour côté l'habité là, c'est pour lui. Parce que son côté levé, il dit, je ne parle là, il grandit là, et bien, il pas qu'à quitter zone là, mais qu'on est à l'état mandé, il faut, vine prouver ça. Donc, c'est, ça fait que pour ça, le capitou. Donc, projet aéroport, il est en cours. Parce que compagnie assurance dit pas autorisé avion atterrir là tout autant que autorité pas casé car donc opération a commencé mais qui quantité de cailloux capable craser nous pas connait yo ka craser tout car qui dans zone là donc après a résoudre problème avec propriétaire yo pour propriétaire va faire démarche qu'on a devant la mairie pour que yo paye yo pour que yo dédommager yo mais jusqu'à présent et c'est dans étape c'est là nous y qu'on a là. Donc, en tout temps, l'État travaille, la police accompagne, et certainement, le ministère des Travaux publics, qui c'est responsabilité qu'on a, pour craser Kayo avec la, que ça, n'importe quel lié, l'État garde intérêt pas, parce que l'aéroport fermé, avion pas qu'à atterrir, donc, quand il y a des gens qui bloquent, monde qui pas capable d'aller sur l'aéroport international qui l'ouvre, en fait, l'aéroport international. Et aéroport qui accueille vol international plutôt et ben là nous garde le c'est cap haïtien et il est difficile pour m'en aller et aller au cap faut prendre occasion faut prendre bus pour menon etc. et route là pas tellement route qui douce donc on pas quelque monde qui bloqué des monde qui a plusieurs raisons des monde qui malade qui peut aller aux États-Unis puis aller en traitement des monde qui dans programme Biden qui gagne on a approuvé yo. Il y a un permis de voyage, il n'y a pas qu'à voyager parce que mon n'a pas qu'à arriver côté pour le temps pour l'avion.
mettez avec cela, compagnie aérienne qui, celle compagnie aérienne qui a des services en an, eh bien, ticket à côté, vraiment, tête mec nous l'a dit. Et, il y a quelqu'un qui a choisi aller Cap Voisin, elle prend avion Cap Voisin, peut-être qu'il était à coûter moins cher, mais aller encore sur leur problème encore. Donc, ce sont pas quelques dossiers qui mélangent, mais, et, pour l'aéroport arrêter un problème qui doit résoudre et que l'autorité, qui prend ça au sérieux, là, on considère que quand c'était manque à gagner pour l'État haïtien, manque à gagner pour l'autorité aéroportuaire nationale sur question ci-là. N'a pas su de ces abois et nous allons avoir plus renseignement encore plus stable développé et, mais, rappelons que propriétaire, il fait face à un autre problème administratif qu'on a, faut que vous venez avec preuve pour dire que, quand ça, c'est pour moi. Et si vous n'avez pas gagné preuve là, t'es qu'on baille, t'es qu'on fait longtemps, ou venez en témoin, ou bien deux témoins qui disent que, oui, moun ça, c'est la réalité, c'est pour l'ILA, etc. C'est d'après ça qu'on est. Donc, il y a toute manière ça pour résoudre. L'autre question, c'est question possibilité, ça serait installation, conseil et présidentiel là. Conseil présidentiel là, nous avons que l'architecte, les civotes qui se représentent par Tiffany Lavalas en dedans, conseil présidentiel là, qui était, non pour être dit, bon, pas rien qu'à faire tout autre problème, sécurité par résoudre. Dernièrement là, le tournant dans la radio encore font l'autre déclaration, il dit bon, conseil a fini de faire pied, nous finissons le travail, nous mettons sur pied, nous préparons un document, et un document que tout toute partie qui est représentant en dedans, conseil là, donc toute entité ça, qui est pas sept non, parce que c'est coalition qui est en dedans, conseil là. Son coalition, sont ces deux regroupements politiques qui mettent les deux ensemble, et vous voyez un représentant. Donc toute partie ça est réunie, et vous préparez un document. Document ça, on allait tout, on allait venir là-dedans. Là, le nom est CARICOM, c'est le gouvernement intérimaire, le gouvernement provisoire. Et quand il y a un gouvernement provisoire lui-même, l'a regardé, l'a regardé question légalité, question, pour est-ce que vraiment, par exemple, est-ce que vraiment, mon cher, bien nommé, etc. Et quand il y a, regardé que le gouvernement intérimaire a cherché tout. Et puis, il y a une information sur membre et conseil présidentiel, ça. Qui est surveillé, qui cause à être fait, qui est ce qui n'a pas de problème avec la justice. Bon, on sait des formations qu'il y a à chercher. Donc, ça veut dire que ce qu'il y a besoin toujours, dans le même côté de nous, il n'y a rien pour qu'on fait. Et pas rien qui dit, malgré les déclarations que l'architecte et les civotaires ont été faits pour te dire que le conseil était capable de prêter serment devant le peuple là, vendredi ou lundi, à défaut, pour ta désirer un premier ministre, qui a sorti une poule de 15 candidats. 15 candidats qui ont fille ou un garçon, donc 15 candidats qui ont vu là-dedans. Qui sorti là-dedans, et là-dedans, il y a un critère par eux. Et il t'a semblé que le gouvernement intérimaire a dit que le pouvoir, conseil présidentiel a dit trop de pouvoir non mais. Donc, ils ont demandé pour améliorer, retirer conseil de bail non mais pour bailler leur entité, etc. Donc, c'est encore. Et il y a des gens qui disent c'est dilatoire, il y a des gens qui disent non, la communauté internationale est là. Il y a pas patience et il y a continué à garder ça qui a fait qu'il y a ça va déboucher pour qu'on ait et qu'il est que le conseil ça a vraiment installé, prédécessairement installé et puis nommé au premier ministre. Une fois que le premier ministre a fini nommé gouvernement, cabinet, ministère l'a formé, eh bien, parlons l'autre entité qui sont en sorte de pouvoir de contrôle. Pouvoir de contrôle, ça lui-même l'a beaucoup plus élargi. Et d'après document qui sorti, mais qui pas officiel, et, mais c'est document qui t'a, que mon capable de faire confiance, etc. Mais document ça, que la presse en Haïti relaye, eh bien, a bon l'autre entité qui lui-même, si on pouvoir de contrôle, qui va contrôler le travail, conseil présidentiel l'a fait. Et bien, c'est Santa et l'on sort de mini-parlement. National, qui a gagné une quinzaine de membres, et avec le représentant diaspora là-dedans, gagné département à représenter et tout, et eux-mêmes, ils peuvent le siéger tout. Et c'est comme ça que le travail là peut commencer. Le travail là va commencer, puis ils commencer à faire, et faire qui ça? Ils commencer le travail et commencer à préparer, amender la constitution, et conférence nationale, et moi, c'est le gouvernement lui-même, avec le conseil présidentiel qui parle nommé, et un conseil de la provisoire qui pour organiser les élections, etc., pour fixer les dates, etc. Question de sécurité a toujours à l'ordre du jour, parce que si pas de sécurité, c'est très difficile pour candidat ou terminer la campagne. De toute façon, le conseil, ça, il y a 22 mois pour les résultats là-bas.
après 22 mois, donc 7 février 2026, conseil n'a pas existé encore. Ce qu'il fait élection ou bien il pas fait élection encore, mandat fini. Et son mandat non renouvelable qu'il a balé. Mais comme si vous l'avez dit, et bien, conseil n'a pas prêté serment, et devant le peuple là. Pas bien à bah, une assemblée, devant l'assemblée et nationale, parce qu'il n'y a pas de parlement. Et donc, il va le foncer, on dit qu'il est seulement ciel ouvert, parce que normalement, pas de place dans le palais national là pour que le fait. Et puis, entité qui concerne, que ce soit dans le palais national, que ce soit c'est dans le ministère des Affaires étrangères, que ce soit c'est dans le primature, et puis, et conseil, président c'est là tout, et protocole parle tout, et bien, ils ont tout pour le travail ensemble pour le président en bail. Donc, ça veut dire que, et à faire vendredi dans le palais ou bien lundi dans le palais là, le cas bien possible, si tu travailles, non, on a pas d'app, travaille ça, il a commencé à faire toujours. Donc, nous pouvons connaître. Nous pouvons dire exactement qu'il est conseil ça à installer. Seulement, nous tournons Saint-Thomas. Là, nous en a quoi? Là, le fait. Là, ça, nous a dit, bon, effectivement, l'officiel. Mais il y a un peu de monde qui a prédit parce qu'il y a un autre mouvement. Un autre mouvement qui commence son campagne, collection signature. Et, eux-mêmes, ils voulaient aller dans la Cour de cassation. Communauté internationale, là, avec un groupe dans un pays, eux-mêmes, ils sont d'accord avec le conseil présidentiel. Et son idée qui était évoquée depuis dans la conférence ou bien dans la rencontre qui était déroulée dans Kingston, Jamaïque. Mais qu'on y a là, donc l'autre groupe qui dit non, c'est dans la Cour de cassation pour aller. Le groupe Saline a mené une campagne pâle. Qui voit quelqu'un, qui peut avoir quelqu'un dans la balance, nous ne connaissons pas. Mais après, nous avons quand même, au moins pour faire un des voix, nous avons une conférence au Anamet, et qui était faite, et côté que était avec jeunes, etc., avec les bâtons des voix, et bien, au même tout, il y a une ligne qui m'a demandé pour que quelqu'un un conseil. Et pour que gain et présidence et pouvoir intérimaire les soutien dans la cassation. Donc on rend pas qu'à faire une pétition d'acadie qu'a fait côté à collecter signature et signature ça réussir puis à faire. Qui pourrait gagner dans balance là? Non, vraiment pas connait qui pourrait gagner. Est-ce que voir est capable fin pas gagner la raison? Non pas connait. Mais gain monde qui prédit que conseil ça est capable très difficile pour réussir s'il pas travaille avec tout secteur ou si tout secteur pareil pour l'avel. Mais si on a cité qu'après aller là sous lit, eh bien, il est très difficile pour réaliser sa besoin. Dossier qui a encore été tout ouvert, nous, maintenant, la Vadamique, nous, là, on a suivi le dossier ça pour nous dire exactement qui en s'est passé et on a capable de rencontrer avec experts, mais experts ont même divisé sur question ça à tout. Experts qui dit que, il quoi que son coup ça soit nécessaire, les deux, et conseil président, c'est là qui constitue pas même prévoir un mécanisme comme ça. Donc c'est la question ça c'est là que les qu'on y a là et puis nous parlons de monsieur Gangamio. En tout temps monsieur Gangamio a fonctionné de temps en temps il a laissé frapper avec la police fait rapport côté qu'il dit il tout en pile dans il saisit bien il saisit machine saisit armes etc. Mais encore c'est pas suffi parce que monsieur toujours continue à opérer et au côté non pas dit sans inquiétude mais avec quelques balles monsieur arrivé détourner un bateau récemment un bateau tapote marchandise qui tape sur port au prince pour aller dans le nord et bien monsieur arrivé détourner bateau non seulement détourner bateau il prend et quelques marchandises qu'il y a dans la cité du riche tout que au point non en pleine mer mais il t'a semblé tout il prend monde qui était dans bateau à tout et bateau transport ça il prend tout mais bon bateau a récupéré quand même parce que l'autorité garde côte etc. mais et bien attaqué bateau il y a même des grands échanges de tir et entre même avec monde qui était à bord bateau. Et, mais, il prend bateau sous l'ordre, ou bien encore sous ordre d'autorité haïtien, qu'on y a là. Donc, c'est tout un mêlé qu'on y a. Donc, monsieur continue à fonctionner. Et, dans le pile bas, il a parlé. Et, parti politique, qu'on y a, continue à travailler, parti politique qui pas d'accord tout, pour que conseil présidentiel, là, et l'équipe d'IGPI, il y a quelqu'un qui veut les questions. Un cours de cassation qui peut prendre. Mais c'est là, nous y est, avec question ça, et puis, il y a sur plan international, il y a actuellement un premier ministre japonais qui a visité la capitale américaine à Washington DC, et qui a rencontré avec le président Joe Biden. Donc, il y a certainement deux leaders qui ont fait échange, pour ça qui concerne eux, et pour question bilatérale,
et entre les deux pays. Yo. Et puis pour les amis immigrants, quand nous avons parlé dernièrement de caravane qui était tapatula récemment, et l'étape mettait dans la direction là, eh bien, ils continuent à voyager toujours. Il y a environ 2000 qu'on y a qui n'ont voyagé là toujours et qui continuent à voyager pour eux. Et si à priver sous frontière, après pour arriver sous frontière, il est capable de prendre un petit 2 mois. Et c'est ça, quand ça s'est, nous saluons, nous disons, et nous avons un programme pour eux, donc amis immigration, donc quand ils ont et caravane toujours. Il tout parle toujours et là-dedans il y a un Vénézuélien, il y a un Hondurien, il y a plusieurs mon latino qui là-dedans et très probablement capable gaïtien tout qui là-dedans. L'administration américaine a demandé immigrants de chercher d'autres moyens légaux pour si vous voulez venir aux États-Unis, pour venir aux États-Unis sans pas besoin et risquer la vie. Même les qu'il y a prend route là pas de danger, au moins route là sont haute chaleur quand c'est temps à faire avec quelqu'un avec timon dans mais quelqu'un qui malade, quelqu'un qui pas fin faire voyage à tout. De l'administration dit que chercher moyen légal pour venir aux États-Unis. Je me pose une question sur le programme Biden, je vais dire une seconde application qui fait pour tout ça que je suis capable de faire, prendre patience tant que vous approuvez demande et qu'on recevra et l'aide qui autorise au fait voyage ici là. Et puis l'administration dit tout, il ouvrit quelques centres, on reste 2 centres, il y a un qui normalement l'ouvrit dans Colombie, il y a un autre qui ouvrit dans Guatemala. Très certainement, avant qu'on même arrive sous frontière, mais il y a une possibilité pour toujours tout faire demande d'asile dans ce centre SAO que il y a géré. Pour capable et venir sur frontière. Pas venir sur frontière, son va faire. C'est parce qu'il y a une possibilité pour faire demande pendant sous route, soit dans Colombie. Soit dans Guatemala, au cas fait toujours fait demande pour venir. Donc, s'ouvrez pas en route là, du, pas venir, si on pas combattre dans mon, pas venir comme ça, venir demander asile sur frontière parce que c'est pas bon pour. Et puis, l'administration, tout conseiller, et mon cap prend bateau. On peut parler avec compatriotes, mon cap prend bateau pour venir aux États-Unis, et bien, il dit, pas prendre chance de tout parce que là, depuis que vous êtes sous, gros programme qui aurait les pieds sèches, pieds mouillés. Alors, pieds sèches, pieds mouillés, soit à terre, c'était pour Cubain, soit à terre, il n'y a pas pour retourner. Cubain, même si c'était sous de l'eau, il y a pour entrer aux États-Unis avec l'Haïtien. Depuis, c'est sous de l'eau, pont, retourner. On va même des chances pour même demander asile. Donc, il ne faut pas prendre ça. Cherchez-moi un légal pour gagner, cherchez-moi un appliqué pour venir aux États-Unis dans le programme.